Bonjour et bienvenue sur www.shopping-tuning.com. Nous allons vous présenter le module Strobox qui est un boîtier de feu de jour pour l'installation de LED et qui est réversible en mode PESCAR, feu de pénétration. Donc vous avez un système très simple qui est pré-câblé en 12 volts ou 24 volts. Vous avez donc trois câbles à relier tout simplement au positif et à la masse. De l'autre côté, deux sorties qui sont utilisées pour l'installation de vos feux LED. Donc le module est équipé d'une télécommande et d'un interrupteur cabine. Il est donc très simple d'usage. Ici nous allons vous le présenter avec les ampoules Scorpion, qui sont nos ampoules spéciales pour les feux de jour, mais qui peuvent être utilisées pour feux de pénétration. Donc ce sont des ampoules puissantes, étanches, qui peuvent être mises en extérieur du véhicule. Elles se relient les unes derrière les autres par simple connexion. Vous pouvez en mettre autant que voulu. Elles sont disponibles dans divers coloris, en rouge, en bleu, en blanc, en vert, en orange, et donc il vous est possible de connecter ces ampoules, comme vous le voyez sur ces images, de les installer soit par perçage, et donc utiliser le forêt que vous voyez en bas de l'écran, et d'insérer simplement ces ampoules et les serrer avec l'écrou qui est donc mis sur le filet, comme vous pouvez le voir sur ces images. Ces ampoules sont à LED SMD, très puissantes avec un déflecteur de lumière. Nous allons donc les relier au câblage qui est prééquipé sur ce module. Donc vous avez une sortie gauche, une sortie droite, et vous avez donc une polarité positive et négative à respecter. Nous connectons donc le fil rouge et le fil noir. Nous allons éteindre le module qui est allumé. Donc cette télécommande vous permet l'allumage, l'extinction et l'augmentation et la diminution de la puissance. Nous allons faire pareil avec l'autre ampoule Scorpion que nous allons installer sur l'autre partie câblée. Nous allons donc pouvoir allumer, augmenter ou diminuer la puissance. Je vous rappelle que ce module peut donc être branché en 12 volts et en 24 volts. Et alors, il reste un troisième câble à relier qui est le câble de l'interrupteur cabine. Si vous disposez d'une moto, nous pouvons également fournir à la place un interrupteur spécial guidon. Ce câble est donc à relier au positif. Et donc, dès la mise en route de cet interrupteur, les ampoules passent en mode PESCAR. Les clignotements sont aléatoires. Il y a donc par intermittence de 3 clignotements, de 2, de 1. Et donc, vous avez la possibilité d'éteindre le module quand vous le souhaitez, le rallumer et mettre en route et éteindre les ampoules. Donc le mode PESCAR se met comme vous le souhaitez avec l'interrupteur, vous pouvez l'allumer et l'éteindre à tout moment. Une fois éteint, celui-ci repasse automatiquement en mode feu de jour. Vous pouvez voir la puissance de ces ampoules. Sur ces images, donc vous voyez le câblage prééquipé pour l'installation de vos feux de jour. Ici illustré avec des ampoules Scorpion, mais vous pouvez également mettre des feux de jour LED d'une puissance de 7,5 ampères maximum. Vous avez donc le câblage d'alimentation positif et négatif, et le dernier câble à relier au positif pour l'alimentation et l'extinction du mode PESCAR.
Au revoir et à bientôt sur www.shopping-tuning.com.